Wow, le percepteur là. C'était une méta Hélioxèle hier. Comment ça? J'ai pas compris, Toto Barjo. Si je prends un gros DPT en last, j'aurais pas un souci de heal. Bah, tu peux prendre un DPT qui fait genre steamer, ça fait un peu de support et ça tape fort. Le Fekka peut faire en sorte que tu tankes. On est Xelor et Helio actuellement, Toto, pourquoi? Ouais, on est Xelor et Helio, ouais. Depuis ce matin d'ailleurs. Enfin, Depuis hier. depuis hier surtout. Hop, c'est parti pour un petit Daikiri là. En exclamation Oli, on n'oublie pas les amis, merci à vous. Ah, Daikiri, c'est celui de Piranha Rouge? Non, c'est le dauphin. Le dauphin rose, c'est fraise, c'est un cocktail. Ok. Bon, moi, je suis sous Piranha là. Le piranha, je l'ai plus du coup. Bah ouais. Waouh! J'ai le bouchon au lit Bien qui s'est fait. fait la malle. Du coup, Toto Barjo, c'était prévu de faire Xelor Helio et on est Xelor Helio, oui. Ah, il faut la laver la gourde de Janko, c'est dégueulasse, non? Salut, Iwizi. La bêta phase 2, c'est normalement aujourd'hui, mais on n'a pas d'heure d'ouverture encore pour l'instant. Donc l'ENU, c'est pour décembre. L'ENU, c'est pour l'Unity en décembre. Tu utilises souvent ta baguette torquée dans tes combos? Elle me sert, la baguette torquée, à Oui. avoir plus 16 de critique. C'est ça. C'est un bonus panneau insane. Il adore mettre des coups de caca à travers portail. Non. M'en sert pas pour le Rox, mais avoir le crit, c'est compliqué sans la baguette torquée, surtout si tu joues Sako. Top, top. En vrai, en général, t'as pas de J'ai lancé caca mes assez. cul. Je pense pas que t'es de cac assez puissant en distance pour te permettre de jouer que avec des coups de cac quoi. Mon cac ultime, ce serait d'avoir un marteau égaré, honnêtement. Ouais, c'est ça. Bah, ça serait un bon combo pour jouer mêlée, ouais. C'est ça, non? En jouant mêlée. Marteau J'imagine. égaré des familles là. Ça permettrait de jouer même mi-distance, ouais, enfin je peux quand même jouer bouclier distance avec, mais bon. Maraudeur il joue pas premier. Ah, Ah t'es bien bah. placé là. Il va peut-être te choper là, le sud du bas, non? Je sais pas. Oh, pourquoi je joue premier, tu t'es pas soigné full? Bah oui, c'était marqué que j'étais premier là. Je suis soigné full. Hein. J'ai 2554 et toi t'as 2550. Mais attends, mais c'est depuis quand ça a changé? Et pourtant j'ai tout. On va faire comme si on n'avait pas vu. Oui. C'est pas, ça change pas grand chose en vrai. Non. On est bing. Même pas à one turn même. C'est honteux! Je teste les variantes de paradoxe, ça donne une TP avec cadran. C'est quoi ça déjà, paradoxe temporel? Je joue même pas. Sur le complice ou le cadran, applique l'état indéplaçable, téléporte les entités symétriquement par rapport à ceux dans un cercle de 4 cases. Ça sert à quoi en fait, paradoxe? C'est ça la vraie question. À quoi sert paradoxe? Nice les pseudos, bah merci. Merci Toto. Voilà, ce sera bien. Donc ouais, paradoxe, ça fait quoi au juste? Je vais prendre le temps. Sur le complice ou le cadran? Donc sur le complice, admettons. Applique l'état indéplaçable au complice, j'imagine. Téléporte les entités symétriquement par rapport à eux dans un cercle de 4 cases. Donc ça permet de lancer, donc j'imagine. Ah bah c'est sur moi. C'est un sort qui se lance que sur moi. Ok, le complice.
Début du tour du complice cadran, téléporte de nouveau les entités. Check mon stuff, Rava versus un classique. Sur le papier, tu tapes 50 dommages de plus en agi, mais sur le Roxo, il est meilleur et de loin. Ouais, et en prime, tu peux jouer le CAC qui monte à 3K. Donc c'est jouable. La diff, c'est que ça va se jouer en 11 PA, mais en vrai, le fait de générer des PA, la voix haut, compense. Je vois ce que tu veux dire, ok. Qu'est-ce que c'est mon kiff d'essayer... Enfin, j'adore Elio, en vrai. Punaise. J'aurais dû tryhard avant, hein, je pense. Qu'est-ce que c'est mon kiff d'essayer d'étirer la redi au maximum et de mettre 4 portails D2, j'adore. Donc, quand j'y arrive, je suis le plus heureux des hommes. Ok. Faille temporelle, ça permet d'échanger de position avec le complice ou le cadran. Ok, à la fin du tour du lanceur, téléporte le complice ou le cadran à leur position précédente. Empêche l'application de téléfrag sur la synchro pour le tour en cours. Ah ! Faille temporelle m'intéresse bien. Si j'ai un complice qui me permet par exemple de rusher la synchro, comme par exemple au Colosso, ça m'aurait peut-être sauvé la vie. Ah, il y a des moments où ça serait pas mal à utiliser. Ça. Paradoxe, ça a l'air difficile à utiliser quand même. Est-ce que ça se joue, ne serait-ce que ça? Est-ce qu'il y a des récompenses sur la phase 2? Pour l'instant, on ne le sait pas. Je ne sais pas s'il y a des récompenses sur la phase 2 pour l'instant. Ouais, donc du coup, je joue avant toi. C'est bizarre. Je comprends, mais... Ah, je joue pas avant toi, là, ce coup-ci, par contre. Ouais. T'es pas full vie, toi, c'est pour ça. Ouais, là, je suis pas full vie. Salut à toi, Zkelp. Vous allez bien dans le chat? Vous faites quoi de beau, vous, de votre côté? Quel est votre programme? On aurait vraiment dû faire un autre concept où le concept c'est deux noobs sur des classes de noobs. J'avoue. Cracra. Cracra, sacri, sacri. Ah, tu fais cracrayop, hein. Gnoni au tapé, quoi. Normalement, je suis électricien et. Et je taffe dans le nettoyage industriel avec de la haute pression. Sinon. Et salut en même temps. J'avais pas vu ton audio. Bonjour. El Tito. Salut El Tito, comment tu vas? Donc ouais, du coup, faille temporelle, ça a échangé de place avec le complice. Du coup, le concept, c'est que je peux prendre la place du complice à tout moment. Et qu'à la fin du tour, le complice et le cadran reprennent leur position précédente. Donc, si moi, je prends la place de mon complice, mais qu'à ma place, j'y mets un mob, je peux faire une TP. Si on veut farm, faut pas avoir de fun. Je pense que Zobal est bien pour duo avec le sacri. Salut, Shipper. Zobal, sacri. Ah, c'était toi tout à l'heure, pardon. Non, Zobal Sacri, tu peux t'amuser en farm, hein, c'est juste que bah, farm moins bien qu'en mode distance, hein, c'est tout. Oh, t'as un téléfrag avec le gobu, non. Si. Tu peux, mais si tu le tapes pas, ouais, c'est ça. Non, tu peux le taper. Hein. Ah, faut juste pas le kill parce qu'il pète tout en ligne, c'est ça? C'est ça. Plus ce qu'il fait, ouais, faut pas le kill. Ouais. Je savais plus si c'est taper ou kill. Parce qu'il te one shot hein, si tu le kill, c'est ça? Non, lui, s'il a un truc en. Si je fais ça, regarde. Il va le défoncer quoi. Il va exploser le cadran. Il explose ça et l'autre il explose ça. Ah bah. Le grand est là. Vous avez une idée de l'heure de le déploiement de la phase 2? 16h? Peut-être? Allez, 16h c'est bien. Non, tu peux farmer hein, Shipper. C'est plutôt le côté A2, tu drops pas grand chose. Bon, de la redite, hein. Tu me dis quand tu m'entends, Shipper.
Sinon, vous utilisez la technologie obscure du picture in picture, comme ça, quand il y a une pub, vous pouvez quand même écouter le stream. Alors, on va utiliser le rollback. Oh oui, t'as fait les frags des deux percus, trop bien. Ah oui, pardon. Ça va pas, t'inquiète. Non, t'as raison. C'est pas mal en vrai. Oh, magnifique. Pas ouf, quoi. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. C'est un tour où tu te boostes un peu, quoi. Là, vous êtes sur un stream Twitch, là, vous vous dites, bon, fais chier, barbe douce, ta pub de con, là, moi, j'ai pas envie de m'abonner à ta chaîne de merde. Ah, bref, voilà, les trucs habituels, quoi. Eh bien, t'arrives ici, là. Alors, déjà, attends que ça s'arrête. Voilà, t'arrives ici, boum, t'appuies sur Pictures, paf. Et voilà. Il y a beau avoir eu la pub sur Twitch, bah, toi, tu peux m'écouter à nouveau ici, parce que t'as juste à rajouter le son. Et ça marche aussi avec, avec Opera GX, qui a son Picture in Picture direct. Hey, j'ai cut portail, j'aurais pas dû, t'aurais pu t'en servir. Oh là là, ça il a tard. Cut le porto. En fait, toi, de toute façon, t'as tellement pas besoin, t'allais faire ça, donc. Il a cut les porto. Oui. Et c'est moi. Ah ouais, quand t'es au téléphone, ça marche pas, ouais. C'est sur PC seulement, effectivement, j'ai peur. T'as vu là, un coup sur deux, on est. Là maintenant, t'es devant. Alors, en fait, full vie, t'es devant, hein, je pense. Ouais, c'est ça. J'ai 4 d'initiative de plus que toi. 4. Et ouais, du coup, Shipper, si tu m'entends maintenant, en gros, bah, Sakri Zobal, vu que c'est des classes mêlées, ça va pas fermer aussi vite que des classes distance, mais c'est surtout le fait d'être 4-2. À 2, tu drops pas beaucoup sur Dofus, hein. C'est juste ça. Hein. Elle est où ma... Ok, elle est là. Donc du coup, je vais faire 1, 2, 3. D'un point de vue RP, pourquoi ils ont enlevé le N de Sakai? Parce qu'ils ont voulu sortir les héliotropes et les héliotropes et sûrement qu'ils n'ont pas réussi à justifier son existence, j'imagine. C'est à moi de jouer. Mais bah... Demande à Mikul s'il drop pas de fou à deux, j'avoue. Une team de 4 mêlées mi-distance, ça peut être funky. Genre Panda fait Kazobal, DPS, Yop Sakai. Ouais. Ouais, carrément, ça peut être giga funky. J'utilise quoi, souris? Salut, Prodig. J'utilise une Corsair Scimitar. Comme ça. Eh, je commence à m'en sortir avec mon Xel, hein. Là, je viens de faire un tour à 28 PA, là. Ça fait mal, hein, mec. J'ai 15 000 heures de jeu, je sais, mais j'aime pas utiliser plus de deux comptes, je demandais juste si Zobal faisait pas tâche. Non, c'est très cohérent dans ta team, Shipper. Franchement, c'est un duo que je kifferais avoir en jeu, moi. Si moi, j'adore Sakri, tu vois, c'est une classe que j'affectionne beaucoup. Si j'étais encore Sakri, je pense que j'adorerais avoir un Zobal qui me colle des basques. Trop bien. Alors, on va mettre une prémo ici. Alors là, c'est ça en fait qu'il faut pas que je perde de vue. Faire ça.
Purée, j'ai oublié. C'est ça qu'il faut pas que je perde de vue. À ce moment-là, en fait, faut pas que je bouge de tout mon tour. Ensuite, je finis par une retour spawn. Comme ça, je retourne là-bas. TMP Twitch, le Facebook de Rava, si jamais tu veux prendre le temps de check. Vas-y. Ah, il faut jouer Ebullition pour le 100%. Aïe. Ouais, t'as pris une petite sauce. Ouais, ça va. Ouais, ça va en vrai. Attention. Il y a pas. Alors du coup, le stuff. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, t'as quand même beaucoup de crits sans ébullition, c'est bien. Ah, t'as 7% d'overcrit. Ok. Ouais, je vois. Comme ça, au moins, avec ébullition, t'es sûr de faire un hachoir crit, quoi. Avec double ligne de vol de vie. Ouais, ça peut être pas mal, hein. Je pense que le problème, c'est juste que ça fera beaucoup moins de dégâts qu'un multi de crit, quoi, au final. Là, on va avec un peu moins de versatilité. J'ai distrit dessus pour que tu puisses te soigner le reste de tes HP. Ok. Si jamais ça en veut. Enfin, si jamais tu peux, pardon. Et apparemment, tu peux, t'as 7 pieds. Avec le petit paume curatif que t'as mis pas mal. Oh, du Rambo. Quand on refait les succès sur un perso secondaire, on obtient quoi? Que l'XP? Les Kama aussi? Eh bien, que l'XP, je crois. Pas sûr pour les Kama, j'ai pas fait gaffe si j'en obtenais. Voilà, on dit cadavérique. Je pense que le colis sera open, Nade, ouais. Merci beaucoup, Cryo Valor, pour le follow. J'ai pas regardé, je t'avoue. J'en étais sûr qu'elle allait pas marcher en plus avant de le faire. Dommage. J'ai essayé quand même, mais... Tiens, j'ai fait quoi? Ah, j'ai dû taper dans le vide. Ah ouais, j'ai fait un rayon ténébreux plutôt qu'un complice, pardon. Hashtag, merci pour le sub. Merci beaucoup, comment tu vas? Premier à jouer, c'est lui. On va rester en bas, hein. On va rester en bas tranquillement en ce qui me concerne. Ah, moi je joue premier donc. Éclate le courtier, là, on est tranquille en bas. C'est toi qui vois. Moi je suis bien là. Perso. Ça me va aussi. Le problème c'est que je peux pas faire des grosses relis quoi. Ce que je peux faire c'est ça. C'est qui essaie de m'appeler là, purée. Toi aussi on a essayé de t'appeler? Ouais, mais moi c'est 30 fois par jour, j'en peux plus genre. Moi c'est un 06 qui essaie de m'appeler tout à l'heure mais sans laisser de message donc c'est vraiment bizarre. C'est à 09. A l'air si fun à jouer Xelor, mais en même temps si nul. Ouais, c'est exactement ça. Alors que le roublard, c'est fun et fort. Peut-être pas en groupe, mais c'est fun et fort. Exactement, Janko, les mêmes. Salut Netcat, comment tu vas? Et ça tape, tape, tape. Voilà, celle-là, elle est pas... je suis fier de moi. Ça elle est pas mal. C'est bien, il y a du progrès. Hein. Ouais, franchement, je suis content.
Dommage que Ah, je comprends d'être 4. I understand. Tant pis, on va taper mêlée, mais c'est pas grave. Oh shit. Ouais, tant pis. Hein. J'avais oublié son spell qui repousse en mêlée. Ouais, ça a fait que Maraudeur. Un peu bizarre, du coup. Maraudeur, il repousse d'un si tu tapes en mêlée. Un tour sur 3. Je sais plus, ou un tour sur 2. T'es main quelle classe, toi, net 4 de base? Je pense qu'il n'y a aucun univers où si tu mets ton coup de hache tous les tours, tu tapes plus qu'avec ton multi-crit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est très mauvais de ma part, ça se trouve, de jouer qu'avec les sorts sur ce perso. Les sorts sont vraiment craignos. Faudrait juste lancer les sorts pour avoir des PA gratuits sur la plupart des sorts et mettre un coup de cac et je le fais pas. Peut-être qu'il faut que je change la manière dont je joue mon... Peut-être que ça me plairait plus après, quoi. De mettre des coups de baguette torquée sous maîtrise. Non, pas forcément la baguette torquée, mais... Un mode où... Plus dans le sens où, mon meilleur rock, ce sera peut-être mon coup de cac, quoi, finalement. Faudrait que je joue au moins, ne serait-ce que le marteau égaré, sans avoir besoin d'investir dans un autre mode... Je suis d'accord avec Zero, il y a des chances que le coup de 4, de toute façon, ça soit le meilleur choix, quoi. Xel et Upper, ah la vache, le Xel vraiment, je comprends pourquoi depuis autant d'années j'ai jamais voulu le jouer. Hein. On va juste taper comme un bleu parce qu'on n'a pas besoin de faire des tricks là. Là c'est gros loom. J'ai un Aurore Pourpre, le chat. On est d'accord que Groloom, il réinvoque les mobs et qu'il faut tuer un de ces mobs réinvoqués à son cac. C'est ça. Dans une zone près de lui. Mais je vais expliquer la strat après. En gros... Salut Miam Miam, je vais t'envoyer un Dofusbook sur la base d'un marteau égaré, stuff que j'utilise. Vas-y, je veux bien. Et sinon, je disais, j'ai le multidocrit et le mode Aurore Pourpre. Je pense que déjà, faut forcément partir sur l'un des deux là, partant du principe que l'Aurore Pourpre ferait vraiment moins de dégâts que le multidocrit, parce qu'on a testé au putsch avec des tours opti. Et le truc, c'est si je joue mode cac, je pense que de toute façon, il faut forcément jouer avec un multidocrit déjà. Là, sur la base du stuff que j'ai, en version j'imagine qu'occulte, tant pis, j'aurai pas le 12 PA. Quel est le cac que je ferais mieux de jouer? On est d'accord que c'est la hache, là, comment elle s'appelle? Et cash. Pas et cash, pas la théroïde. La mantache. Ça s'appelle. Non, c'est une hache aussi, 4 PA, je crois. Pas la ravageur. Ah, ouais. La ravageur est bien, cela dit. Une autre hache, là. Je trouve que c'est la et cash et je me trompe. Hein. Ouais, c'est la et cash, je pense. Celle qui te disait tout aussi, et cash, et cash, et cash. Ouais, ça le marteau pas égaré, dire, ouais. Faut que tu joues et cash. C'est les caches qu'on me disait hier, à 4 PA. Ouais. C'est ça. Ah oui, c'est la caches, pardon. C'est bon. Parce que je me trompais avec la théroïde en termes de skin. Je croyais que la caches avait le skin de la théroïde. Donc ouais, c'est bon, c'est bien la caches. Ouais, c'est ça qu'il faut que je joue. Parce que le marteau égaré, c'est bien, mais... Mais t'en as une, t'as testé au je joue. Je joue pas en bouclier mêlé. D'ailleurs, j'y pense, mais je ferais pas mieux de jouer bouclier mêlé, le chat. En vrai. Je ferais pas mieux de jouer Captain Amakna. Je suis tout le temps en mêlé avec mes TP. La hache, tu vas la faire en diagonale, le coup de hache, tu peux, non? Ah, la hache peut taper mêlé ou diagonale. Si je joue la hache, je peux rester avec le bouclier distance. En et fait, comme ça, c'est plus passe-partout. Soit tu joues mêlé et t'es un petit peu tanky et je peux te mettre des virus et du coup, c'est pas mal. Ou soit tu continues à jouer comme tu fais d'habitude avec des RS à la fin de ton tour, mais tu peux coup de cac en diagonale. Tu peux faire les deux, en toute façon, avec l'H. Je connais pas le niveau mini, Toto. Ouais, avec Zelmele, c'est plus simple, hein. On est d'accord. Hein. Au moins, tu peux comboter plus facilement. Hein.
Après, Rayon obscur. Xel mêlée pour envoyer des mobs à Tata Win, c'est peut-être galère. Hein. Rayon obscur, ça vaut plus le coup maintenant, zéro. Il y en a plein qui ont pas. Enfin, tout hier, les gens arrêtaient pas de dire que c'était éclaté maintenant. Qu'il fallait jouer à En Rayon plus, ténébreux pour proc des aiguilles dessus. waouh! Mais tu sais pourquoi il faut que tu joues cash? Vol de vie, mec. Bah, c'est pour le vol T'as de pas vie de qu'on vol de parle, vie? oui. Ouais, c'est ça surtout. C'est absolu. C'est pour ça que c'était obligatoire en fait, et cash. T'as pas un spell qui vole de la vie et. Moi, pour moi, il faut pas que tu joues mêlée parce que ça serait trop dangereux hein, dans les donjons 200 qu'on va faire. Presque comme tu. Vu que moi je joue distance, pense que tu vas être emmerdé hein, si tu fais ça. Hein. Ok. Eh bien, on va déjà essayer notre premier Grulou, mais après je verrai pour améliorer le build. Mais je pense que si je jouais cash, je vais forcément devoir jouer avec le Coculte parce qu'on va vraiment perdre beaucoup de crit. Ouais, t'es obligé. Net Bah, si c'est 4, pour tu mettre joues des. encore assez Xelor, toi, pour proposer, pour justement dire, bah tiens, tu préférais en PVM, quelle situation multidocrit, pas de greffe, strigide, torqué, avec quoi au final? Si on met pas la baguette torquée. Avec la cape, on finit par mettre une cape Talkasha finalement, pour pouvoir mettre la cache ou des trucs comme ça. Jouer mêlée avec Prémonie. C'est quoi ça, Prémonie? Mikul, du coup, j'ai oublié de parler de la strat du boss, pardon. Le Grouloum, il est Y a pas de invulnérable. Si souci. tu lui fais un raid PM, ou un raid de manière générale, mais surtout raid PM, il va regagner 8000 de réfix, même s'il est déloc. Pour le déloc, il faut tuer un monstre qui est sous gelée blanche, et pour un monstre sous le gelée blanche, il faut que ce soit un Donc monstre il le que le boss réinvoque. réinvoque. Et lui applique me gelée blanche. S'il n'y a pas gelée blanche sur le mobs réinvoqué, ça marche pas. Et c'est moi le seul truc que ça je savais, mais le seul truc que je voulais savoir, c'est est-ce que je les blanche quand tu. Est-ce que c'est zone le spell? Est-ce qu'il est obligé d'être collé le mob ou il peut être à une case ou deux? C'est ça que je voulais savoir. Le boss invoque à 6 cases de lui. Déjà. Ouais. Et il va gelée blanche s'il est en ligne de vue. Je sais pas si ça a Ouais, non, mais répondu à ta ça. question. Ouais, non, c'est pas ça. Ce que je voulais savoir, c'est quand tu tapes le. Quand tu tues le mob qui va déloc le boss. Est-ce qu'il a besoin d'être collé ou est-ce Attends, qu'il je peut fais être à mon une tour. case? Mon Ok. cerveau là. Ah, pas de soucis, t'inquiète. Toute façon, il y en a qui vont dire dans le chat, je pense. J'aurais dû mettre une synchro. En vrai. Tant pis. Je vais la mettre ici. Vas-y, pose ta question, pardon. Attends, je vais jouer mon tour, mais ouais. En gros, est-ce que le mob qui est gelée blanche quand tu le Oui. tues, est-ce qu'il faut qu'il soit collé ou à une case du. Est-ce que sa zone Mêlée. le déloque? Pour moi, c'est Mêlée, ok. mêlée. C'est une croix Mêlée. autour d'elle, pas un carré. Ok. Bien ce que je me disais au début, mais je préférais avoir confirmation. Vas-y, là, les challenges. À chaque fois, le challenge où je peux pas mettre des portails, là. Obligé d'être collé au boss, mais tu peux faire un sort de zone sur le mob collé et tu finis avec un sort de zone, le boss prend les dégâts. Ah oui, ça, oui. Oui, si tu le tues avec un sort de zone. C'est ce que je faisais pour le solotage en forge lance. Et ça. Prenez bien. Ah, t'as un mec qui t'a envoyé un. C'est RK6, je crois, qui t'a envoyé un Dofus Book. Je vais déjà jouer. Debook.net. Ouais, fais ton 3. Hein. Tu verras après. Mais le gros loup il touche d'ici là, je suis obligé de le repousser. Ouais, t'hésites pas. Tu peux close portail, double poussée ou des trucs comme ça, tu fais ce que tu veux. Ouais. Voilà. Tu peux aussi m'attirer si tu veux, par là-bas. Et ça, c'est une envoi. Ouais, je sais, c'est pas ça que je voulais faire. Traversera pas le sapeur si jamais tu peux laisser open. Bah ouais. Ah, là, il En traverse. fait. Ouais, non, t'inquiète, je vais interrupt. C'est juste pour setup pour le tour d'après. Merci RK6. Ah oui, ça, c'est le mode. Ok, d'accord. Bah ça, je pense que ça tape pas grand chose, RK6, non? Merci beaucoup d'avoir décalé sur Twitch. On doit pas taper de ouf, ça. Bon, alors du coup, il a gelée blanche, celui-là, par exemple. Oh, c'est pixel. Alors, on va peut-être pas Oh, l'utiliser puis. maintenant. En vrai, les mobs sont tellement loin. Oh, toi, t'es au milieu des mobs, fais les mobs. T'embête pas. Puis j'ai des redis, donc. Non, t'embête pas. Alors, on va mettre une prémo par là.
J'ai vraiment bien fait de 1. rapprocher le portail, il va terminer à une case, ça va être pixel pour monter moi après. 2. 3. Rollback. Pas eu le temps, je voulais rollback x2 et revenir chez moi. Rollback une fois et double retour spawn. Ah là 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 là. Vas-y Mikul, je compte sur toi. Un max de dégâts, ou alors ramène-moi à la maison, peut-être. Je crois. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai reculé de trop. Détruis-moi le sapeur. Mikul. Ouais. T'es obligé là de me faire une convulsion ici. Vas-y. Lance convulsion à travers portail en rocks à la fin de ton tour. Ah, trop tard. C'est bon, merci. Vas-y, du coup, merci, m'a... merci. Ah. Non, il me tuait là. Ouais. J'avais pas vu. Ouh! Ça sentait mauvais pour moi, hein, moi je vous le dis. Oui. Ah, faut pas hésiter à me call parce que moi je regarde plus. Vu que je connais pas trop le perso, je regarde plus mon tour que le tien pour l'instant. Ok, y'a pas de soucis. Quand j'aurai 2-3 journées des lios dans la bouche, je pense que ça ira un peu mieux. Merci beaucoup Edenzo pour le Prime. Salut Monsieur FX. Salut Vakra. Unity, pour l'instant, on attend encore la phase 2. En fait, je joue le stuff là sur sa die car je ressens pas beaucoup la div des dégâts, sachant que je joue multi d'Ocrit sans Sako. Ouais, je vois. Du coup, Netcat, tu me conseillerais plutôt de prendre une Ekash ou un marteau égaré sur mon mode multi d'Ocrit, pas de greffe, rigide, torqué. Je pense que je vais partir sur Ekash, moi. Marteau égaré, c'est un PA de plus. C'est une belle zone, certes, mais je pense que j'aurai rarement des zones à prendre, à part si je me les crée moi-même. Sauf que je pense que je suis pas assez fort pour ça, pour l'instant. Je sens que la Ekash rentrera plus dans le fait que j'ai un PA en moins avec ce build en plus. Aïe. Ah, c'est pas loin du retry. Hein. Tu peux portailler, traverser et revenir tout en bas, si tu veux. Oh ouais, bien sûr, c'est fait exprès, mais... C'est pas ça qui me fait peur, c'est le vol... Est-ce que je vais réussir à vol de vie assez ? Pour pas mourir. Alors, on va mettre une prémo ici. 1, 2. 1. 2. Faut que t'arrives à tuer le maraudeur d'en bas pour pas être embêté si tu traverses. En fait, je sais pas, j'arrive pas à voir c'est lequel moins là, du coup c'est chiant. Ah, c'est celui-là, peut-être. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça, il faut que tu joues en transpa pour ça. Ton 1, il est là. Ok. Du coup, c'est bien cool. Traverse ton 3. Hein. Et tu fermes. Et si tu peux me thérapie en passant après. Après avoir traversé. Ah, bah, tu pouvais passer par là, hein, ça te coûtait moins cher. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai. Thérapie, moi. Thérapie, j'ai pas assez, Autard. Désolé. J'ai eu peur, j'ai préféré me soigner. Après, en vrai... Ah, dommage. C'est pas déconnant, parce qu'il est pas loin pour le déloc, mais on s'en fout du déloc. Le sapeur à 93 HP. Le percu presque mort. Peut-être un monde où je fais un placement. Ouh! J'espère que tu vas gérer la crise. Nice. Tu traverses, tu kills. Mais faut que tu te soignes. Hein. Et ton meilleur placement, bah tu le connais, hein, il est là. Soigne-toi, place-toi. Ah, dommage. Ah, c'était tes paumes qu'il fallait que tu fasses. Wouah. Ça passe, ça passe. Je savais que ça allait passer à quelques HP près. T'es quasi sûr. Bon, bah moi je vais retourner en bas, hein. Je veux pas. En plus que là, les deux ont crit, hein. Pour te dire, vraiment pas de chance. Hein. Je vais pas faire ma raclette, mais. Attends.
Non. Purée, j'ai pas retour spont. Ah. Et là, du coup, c'est la merde, puisque je peux pas me soigner en plus. Bah, de toute façon, tu t'en fous, hein. Tu te soignes une fois, paume curative, traverse. Ouais. Le problème, c'est que j'aimerais bien setup pour aller tuer l'autre Tu animal, poses un mais. portail, tu me ramènes. Non, ne pose pas, pose pas. Arc. C'est de la merde. Ah putain. C'était ton 1 en bas. Ouais, c'est pas grave. Ah, je peux pas faire grand chose pour toi là, du coup. Pas grave, le boss il peut pas venir à mon cac. Fait, moi je voulais chercher un tour où je pouvais taper le percus, c'est ça surtout. Ah si, comme ça. Oh, t'es pas mort. Entendu, hein. Par contre, il y a un monde où. Où sa gelée blanche là. Ça déloque et. Désolé, Ah mais ouais, je suis tu. obligé de faire ça. Hein. Aïe. T'aurais pas pu tuer le percu plutôt en faisant un retour spont. Moi, c'est quoi que t'as fait là? Quoi ce truc là? Ça a bloqué le portail, mais ça. Ok. Chelou. Pas vu, je t'avoue. Si moi, je peux pas te heal là. Si on n'a pas de cible, en Bon, t'as fait. pas pris rayon finalement? Bah non. C'est pas grave. Paume Puis là. curative moi, paume curative toi et on recule. Et t'oublie pas de m'attirer avec thérapie. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai un sort de. Mondo Coco qui proc bientôt. Le staff est cash que je joue sur mon Zobal en songe sur le Xal est moins perf que le Rava, je peux te le link si jamais. Non mais le Rava ça me fait changer un stuff complet. Vas-y, en plus lui il va se TP avec le percu, il va aller à 15 km à chaque fois. Quel enfer. Ah Alors, vraiment, c'est. Ça pue du cul là. c'est dur, hein. Ah bah Là-haut. là, c'est mort, hein, je pense. Malheureusement. C'est un peu dead. Et là. Si je me rapproche pas de toi au max. Pom pom. Ouais. Surtout voir si je peux pas. Pom pom ferme. Ah putain. Je Ah, t'ai ça m'a link le, tu peux revie. check le rayon obscur une Twika, c'est ça, le rayon obscur c'est la c'est de la zone on rappelle. Ah oui, tu parles du rayon ténébreux. Ça fait plusieurs fois que tu dis rayon obscur mais c'est rayon obscur justement qui est nul, qui coûte trop cher et il tape pas assez fort. Ah, il a gelée blanche lui ou pas? Ouais. Alors, gelée blanche 1 et gelée blanche, pas l'autre. On doit être gelée Ah blanche. non, celui qui est tout près, il n'est pas gelée blanche. C'est celui à côté de toi qui est gelée blanche. C'est Ah mais bon. t'as tué le seul qui était gelée blanche? Alors, 1. Ah c'est la merde ça. Deux. B. Okay. Cadran. Hop. Donc du coup, tu peux tuer l'autre qui a déjà été D'accord. réinvoqué si tu veux. Ah, je vais surtout essayer de. Tu pouvais avec une redi là, mais c'est pas grave. Je peux plus maintenant. En fait, je sais pas ça que je voulais faire, c'est ça surtout. Ah, tu parles bien du bon spell, zéro d'accord, ok. Bah, le truc, c'est que je fais déjà du 1000, voire plus, avec 2 PA, quoi. Avec ce spell-là, là. Je vais jamais survivre. Hein. Sais pas quand, ni comment. Ouais, faut surtout tuer le maraudeur qui n'a pas été gelée blanche du tout. Qui nous fout bien dans la merde. Et faire en sorte que tu te fasses pas toucher. Le problème, c'est qu'il va à un moment, il va invoquer une invoque qui va te terminer, je pense. Ouais, il y a des chances, ouais. Peux pas virus la cahuète pour te soigner Là, là? tu traverses, tu me soignes toi et moi, et puis tu fermes le portail.
Et en perdant les crits de baguette torquée, tu descends à combien? Baguette plus bonus panneau, ça fait 16. Récupère sûrement des crits ailleurs, mais tu perds le 10% du bonus panneau, quoi qu'il. Salut Amas sur TikTok, tu vas bien? Merci beaucoup pour les cœurs sur toi et tout. C'est gentil. Donc celui-là, il est gelé blanche aussi. Ouais, bah il va peut-être te tuer. Ouf, il a tapé sur les invoques. Ah, c'est pas mal. Le problème, c'est que là, le placement, je vais devoir retuer le percu, je pense. Bah, le tue pas, hein, laisse-le avancer, non? Il a gelé blanche que pour un tour, hein, si jamais. Ah ouais, bah... Comme tu, comme veux. Peu importe. Moi, pour le placer, là, ça va bien y aller un petit peu, on va le placer. C'est le portail, ils sont en merde. Je préfère l'avoir là-bas. Check TMP pour le stuff et cash. Je peux pas là, vraiment. Là, tu me demandes trop de trucs en même temps qu'un combat où j'arrive pas à jouer une classe que je connais pas. Là, je regarderai après, hein, vraiment. J'arrive déjà même pas à juste réfléchir à mes tours. Hein. Je vous jure, j'essaye d'être à fond sur le chat, mais je peux pas là. J'arrive déjà même pas à imaginer ce que je vais faire là de mon tour là. Bon, le problème en plus c'est que ma frappe de Xel elle va tuer le percu même si j'arrive à. Ah bah là faut choper. Le tuer, de toute façon il a pu. Il a encore gelé blanche, ouais. De toute façon faut qu'il le. Hein. Le problème de ça c'est que. Ou alors est-ce que tu resterais pas à sa mêlée pour que je te virus plutôt? Ça serait peut-être. Ça va pas te soigner beaucoup aussi. Non je le tue, tant pis. Tue-le. Hein. Heureusement que j'avais Rambo. Ah bah c'est le but hein. Ça combo pas hein. Ouais il y a outrage ouais pour qu'il vole de vie effectivement. Ouais je peux outrage moi et pas, j'ai pas besoin de vol de vie plus que ça de toute façon là. Oublie pas, il invoque à 6 pots devant lui. Il invoque là, là. Ouais. Bah en espérant, justement. Attends, c'est pas 6. Ah, c'est 6, c'est minimum, ok. Attends, c'est normal qu'il ait invoqué. Il a invoqué un gobu. Le gobu est gelé blanche ? Ouais. Ce que je peux faire, c'est emmener le boss. Près du gobu, ouais. Moi, je mets un portail, ou deux, et je me barre. En vrai, il y a un monde. Il me tacle le gobu en plus. Quel enfer. T'arrives à y mettre le boss. Le spell qui attire de deux. Ah, c'est ça. J'espère que je meurs pas moi par contre. Il faut en plus le boss, il va se faire échanger par ma prémo. Ah, il met échange de place. Bon bah ça marche quand même. C'est pas mal hein. T'as un gros tour du coup. Pouah ouais. Vas-y, fume le mec là. Je vais le renvoyer, je pense. Là, attends. On va faire ça. Voilà. Alors, 1, 2. Essaye de pas le mettre trop loin de mes portails au bout, hein, sinon j'ai pas de. Je vais galérer à avoir une retenue en vrai. À la fin de ton tour. Et surtout partout. Hein. Ah, mais ouais. Faut le redéloc à chaque fois, hein. Je suis désolé pour toi, mais. Oh, mais vas-y, je vais jamais devoir. C'est déloc plus rocks en fait. Et passe-tour. C'est horrible. Bah là, en gros, il faudrait que tu le pousses, quoi. À travers portail, il y a un point fulgu, et puis tu le soignes. Tu te soignes. Parce que là, ça sert à rien, je peux pas. Pour rapprocher, il va te cogner, là. Bien, nickel.
Obu. Bonjour Brian, comment que c'est? Et il récupère trop de vie quand il tape en plus, c'est un enfer. Ah. Ok, là si tu vas sur la case là-haut. Parfait. Là, je vais pouvoir le taper un peu là. Après, c'est le problème, c'est que c'est toi qui taperas pas du coup, c'est ça, non? Si c'est toi qui te déloque, moi je peux taper. Ah ouais, nickel. Tu peux déloque plus est... taper. Là, c'est le mieux, hein. Ouais. Alors, Brian, bienvenue sur le stream. Salut, Juste Dofus. Alors, pour ceux qui ne suivent pas, vous avez au-dessus là le 2FPT. C'est un concept d'aventure qu'on vient de lancer. Ça fait 6 heures qu'on l'a lancé avec le frangin. Le concept est simple, on va voir jusqu'où on peut aller, mais on joue deux classes qu'on joue pas du tout, habituellement, qu'on connaît pas. Moi, Xelor, que je maîtrise pas du tout, mon frangin, Héliotrope. Et on doit faire tous les donjons 190-200 du jeu, en duo. Donc le concept, c'est deux fails par tour, parce que c'est ce qui va se passer. Il va y avoir deux fails par tour. Là, il y a déjà un fail. Ah, je suis mort, là. Non. Ouf. Pixel. Ça va, en vrai. Du coup... Il est tellement con, le mob. Je peux le taper, mais il faut que je fuis. Pas le choix. Oui, oui. De toute façon... On va mettre une prémo par là. En fait, faut faire en sorte que l'invoque soit pas trop loin de lui. Quitte à se faire taper. À chaque fois, il l'invoque comme ça, là. On a une petite rota... Si tu peux le repousser encore, mais il faut que tu fermes portail avant, sinon il va se retrouver là-bas. Le problème, c'est que si je fais ça, bah, que je ferme portail, je peux pas revenir en fait, moi. Si, si, tu peux. T'as les PM encore. T'en as 5. Tu peux venir jusque là. Je te conseille d'insolence dessus, tu sais, pour te repousser de deux, là. Le spell haut, là, qui te repousse. Ouais. Voilà. Comme ça, tu viens derrière moi, plutôt. Ah, on fera pas les cavaliers, non. Rien. Gelure. On va aller là. On va faire retour sponte. Libé. Comme tal. On a une rota. Hein. Ouais, on est bien là. Je crois que j'arrive à inclure une rodi portail pour bien le fumer en fait. C'est tout. C'est le 1 là. Double portail. Tu sais, tu peux taper en zone dessus, hein. Si t'arrives à avoir la zone sur le boss, tu tapes en zone sur le gobu. Oh le con. Oh, tu le gobu pour sûr déjà. Ensuite, traverse portail pour être sûr de venir. Tu reposes ton 1 en bas, traverse, tu fermes. Comme ça, au moins, t'es sûr de... qu'on n'est pas embêté. Après, il va faire un jump, échange de place, comme tout à l'heure. Ouais, c'est que t'as plus beaucoup de vie, quoi. On lui enlève rien comme vie, c'est horrible. Ouais, faut les rots. Barre-toi près de mon portail pour que je puisse te heal au max. Faut toujours que je me place là pour le gobu. On est multidocrite, les amis, tous les deux. Il y en a qui pensent au first try dans le chat. Ah, on est sur un first try pour l'instant. En exclamation, 2 FPT si vous voulez avoir accès au GDoc. Pour l'instant. Le problème, c'est que Barbie prend des tartes à chaque fois et je peux pas le soigner, en fait. Vu qu'il a pas de vol de vie, c'est un enfer. C'est vrai que j'arrive à inclure un tour où je te virus, mais je peux pas. Ah, ça c'est vraiment très fort, je pense. Ah non, tu pourras pas le taper du coup. Toi, oui. 13, t'as plus de PA, ouais. Toi, tu vas pouvoir faire un gros tour. En vrai, moi je fais ça. C'est pour ça que j'ai fait ça, hein, pour changer. Le 1 est là. Ça, tu pouvais même traverser. Hein.
Ouais. J'ai vu. Ah bah voilà, parfait. Fais-nous un gros dégât sur le boss là. N'oublie pas de te fermer à la fin de ton tour, c'est très important. Ouais. Je regarde ce qu'il Je a puis me comme permettre, c'est sort. un peu dommage que tu dises à ton frère ce qu'il doit faire de son tour. Ça enlève le fait qu'il doit apprendre à jouer par lui-même. T'as l'ulti. Non mais. Ça s'appelle du teamplay, et si tu regardes depuis le Ouais, c'est début, du en vrai, teamplay, j'ai hein. quasiment jamais proposé à mon frère. Quasiment. Non, puis C'est moi assez aussi, hein, rare, des c'est fois pour ce je. combat-là, mais c'est vrai que je devrais me taire, il a raison. Mais moi aussi, je te propose à chaque fois, je te dis, ah, tu peux interrupt, tu peux machin, non, c'est. T'inquiète. Oh, il a raison. Comment que je peux faire? On va aller par là. On va faire ça, ça, ça. Hein. Oh, puis regarde, j'ai pas besoin, hein. J'ai réussi à. J'arrive à me faire des redis tout seul et tout. Hein. Bah, y a pas de souci. Hein. Là, le problème, ça va être l'invoque en fait. Va falloir que Dans je un me mette sens, il a là-haut. raison, parce que si du coup bah, je te dis quoi faire, bah du coup c'est comme si je jouais à ta place. Mais sauf que bah ça reste quand même du team play, hein. Proposer à quelqu'un une action plutôt qu'une autre. Hein. On va le laisser invoquer comme d'hab. Hein. Salut, Ah, ça j'aimerais connaître c'est. juste le nom du skin du Xel. Chevalier Noir. Oh, c'est pas mal en vrai. Par contre, il s'est fait soigner par Takaot, pas ouf. Par contre, là, pour avoir une redi, si tu me le déplaces pas, c'est mort, moi. Pas. Oh, c'est pas grave, hein, t'inquiète. Hein. Je ferai pas de redi, je vais le taper. Faut que tu le rocks, hein. Ah, bah, nickel, je vais le Il y a un défoncer. Térémicul. Ah, voilà. Ah, c'est même pas la peine, hein. Là, il faut faire du sale. Là, tu tues, hein. Eh, hey, mec, si on first try un Grolum, franchement, pour deux noobs, on est bon. Pas mal, hein. Hop. Ne faille pas la Roddy. Pitié! Oh, il a même pas eu besoin de la refaire. Bah non. Ah, dis-moi que tu tues. Et GG, Tu ouais. tues le tutu. Let's Chapeau go! pointu. Oh, let's go! On a fait le Quel donjon first try. entier en first try. Franchement, Ah ouais, ça non. va. Bah on s'améliore à force, hein. Et mais drop tout par GG, contre, c'est mec. honteux. T'as mis un bonbon prospection, c'est obligé. Non, bah non, c'est le Micul Boost. C'est le Miku Boost. Bon, du coup, je vais revenir un peu sur le truc de call à Micul. Je Il fait pense plaisir que faut que je fasse ce. attention quand même, parce que c'est vrai que j'ai tendance très souvent, parce que ça fait très longtemps que je joue, et contrairement à Micul, et que j'ai fait énormément de songes en étant Panda, donc la classe un peu centrale du gameplay, j'ai pris vraiment beaucoup l'habitude de proposer à mes alliés des plays et des moves. Et Mais c'est vrai tu que c'est un proposes, peu mais je. gameplay, quoi, du coup. Tu proposes, mais je fais jamais, quasiment jamais. 90% du temps, je fais jamais ce que tu me dis, donc. En plus, si Mikul, je vois C'est un pas truc grave. qui peut faire gagner et que je lui dis pas, ça va l'énerver, tu vois. Parce qu'en mode, je nous fais perdre juste pour pas lui dire ce qu'il doit faire. Non, Mais non, je comprends, franchement. je comprends. Faudrait juste que je me nerfe un peu là-dessus. Hey, le Grolum, on s'en est bien sorti, je trouve. Ouais, je suis assez content de nous là. C'était pas le plus simple. Bon, comparé au Cory, forcément le Cory est 15 fois plus simple. C'est ça qu'on l'a first try d'ailleurs. Non, et puis j'ai une petite expérience quand même sur Helio, hein, je suis pas. Ça va, j'ai. Ça se voit que j'ai un peu joué sur Helio, sinon. Ça m'étonnerait qu'un mec qui découvre totalement la classe, il arrive à faire des. Des redis directs. OMG, il Voilà. ment sur le défi. Comment ça, il ment sur le défi? J'ai menti ou First. ça? Bah, je sais pas, peut-être le first try, il croit que t'as menti pour Grolum. On a retry le Grolum? Non, non, on n'a pas retry.